comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Oh, le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Alors, je me lance ? Allez-y. C'est un rôle épouvantable pour moi. Hein. Oui, oui. Bon, on y va ? On y va, on ne va pas les torturer plus longtemps, un vainqueur et cinq déçus, et c'est la loi du sport. N'importe comment, je crois qu'ils méritaient tous la première place parce qu'ils étaient très bien. Allons-y, on les accompagne d'un applaudissement. Numéro 3, l'oiseau et l'enfant. Marie-Myriam. Voilà. Attends, je vais donner... Oui, ben venez pleurer à côté de moi. C'est une chanson dont les paroles sont de Joe Grassier et la musique de Jean-Paul Carat, il faut le préciser, je crois. Elle pleure de joie. Vous y attendez pas, hein? Ça va mieux? Oui, ça va. Ça va? Bon, parce que ce qui vous attend maintenant, c'est encore plus difficile. Hein. C'est le grand concours. Maintenant que vous avez un peu repris vos esprits, de quelle région êtes-vous? Vous êtes parisienne? Oui, 20e arrondissement. 20e, votre famille est devant le poste? Je suppose. Oui. Vous n'êtes pas encore bien réalisé. Elle n'a pas bien réalisé ce qui se passe. Non, non. Vous chantez depuis combien de temps? Depuis longtemps, parce que... Oui. Enfin, ça, c'est un tournant important, ça. Oui, très. Oui. Bon, ceux qui ont composé et écrit la chanson sont dans la coulisse. Je suppose que vous allez fêter ça avec eux. Je vous félicite et puis je vous donne rendez-vous sur les antennes mondiales, j'allais le dire, puisque l'Eurovision réunit plus de 300 millions de téléspectateurs au début d'avril à Wembley. Oui, le samedi 2 avril, exactement, et TF1 retransmettra en direct la soirée à partir de 21h. On va l'applaudir une nouvelle fois. C'est elle qui va représenter la France. Passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant.